Marseille. Voilà, donc aujourd'hui on vous amène avec nous. Normalement on va faire le bateau qui va à l'île du Frioul et au château d'If, visite de Marseille. Et demain ça sera rando dans les Calanques. Voilà, donc on vous embarque avec nous pour ce week-end à Marseille. Deux filles qui sont tout là-bas, elles nous ont dit qu'il y avait une fille qui s'était fait attaquer par les Groenlandais ce matin. Viens, Pichou. Bon, ben je pense qu'on a tout perdu. Bon, je vais essayer de refaire marcher, mais du coup, tout ce qui est château, ça se trouve, on a perdu les vidéos. Heureusement qu'on a les photos avec l'appareil photo et que c'était pas avec la GoPro les photos. On a au moins les photos. Si on n'arrive pas à récupérer les vidéos, je vous intégrerai dans le vlog les photos du château du coup. Parce que sinon, voilà, on a perdu. Je suis vraiment dégoûtée. Dans la calanque qu'on a vu tout à l'heure, on va voir si les photos vont se baigner. Du coup, vous avez filmé les images, mais on a tout perdu. Donc, du coup, voilà, on va voir si on peut se baigner. Allez, on va dans l'eau.
Donc à droite, on a la cuisine. Donc il y a machine à laver, frigo, cuisinière, évier. Là on a le micro-ondes, les petites étagères, là il y a une table, le placard avec la vaisselle. Donc là ce placard c'est un placard donc à la propriétaire. Là on a donc dans le hall là, deux portes, salon, chambre, salle de bain. Donc là on a le WC, un petit meuble, le lavabo, une petite douche, un placard. Et donc l'autre, quand on rentre, il y a le lit. Voilà, c'est pareil avec une bibliothèque. Et de ce côté, on a le canapé avec là donc le bureau et au-dessus on a la télé. Voilà. Donc il y a une place de parking attribuée avec l'appartement. Donc là, celle-là, c'est notre voiture. Donc là, on a quand même le grand boulevard, mais ça a l'air d'être quand même totalement. Là, il y a des apparts. De l'autre côté qu'on ne voit pas, de l'autre côté de l'appart, c'est le stade. Là, le stade Vélodrome, voilà, on est juste à côté. Là, on vient de rentrer à l'appartement. On a fait donc du coup programme de la journée. Ce matin, on est allé sur le Vieux-Port prendre le bateau pour aller à l'île du Château d'If. Du Château d'If, on a repris le bateau pour aller sur l'île du Frioul. On a fait l'île du Frioul et on s'est baigné donc dans les calanques de l'île du Frioul. Après, on a repris le bateau pour aller sur le Vieux-Port. On s'est baladé un peu sur le Vieux-Port. On a pris le bus pour aller à Notre-Dame-de-la-Garde. On a fait Notre-Dame-de-la-Garde. On a repris le bus jusqu'au Vieux-Port. Et du Vieux-Port, on a pris le métro pour rentrer à la maison. Mais sur le chemin, on s'est arrêté à Monoprix pour acheter à manger pour tout ça. Parce qu'on nous avait conseillé, Maëva, d'aller manger au resto au Good. Sauf qu'en fait, on est crevés, on n'en peut plus, on est fatigués. C'est déjà tard quand on est rentré. Donc là, je crois que c'est déjà 8h. Donc du coup, on n'a pas trop envie d'y aller. Donc on gardera cette adresse pour une prochaine fois. Et du coup là on va rester tranquille à l'appartement, on va se doucher, manger tranquillou et se poser devant la télé. Voilà. Donc du coup c'était ça le programme de la journée. Demain on part dans les Calanques. Donc on va aller à Cassis et faire la rando dans les Calanques. Voilà. Petit apéro, donc moi j'ai pris un naked blueberry et blackberry. Trop bon. On trouve pas d'habitude chez nous. Un petit blini de tarama, Lilou une scol, et après on a pris des chips Too Good, c'est saveur barbecue à base de soja et de pommes de terre. Voilà, 5 gluten. Donc voilà, on va se faire un petit apéro avant de manger notre plat et on regarde la télé. On sort de la douche, ça fait du bien. On a pris des coups de soleil. Bichou, il est rouge. Moi, un petit peu. Mais bon. On a marre du short.